Allez, paradise.fr. T'as besoin de crédit sur FUT? Oui. Alors n'hésite pas à aller sur igvolt.fr, le lien est dans la description et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code LexCity6, site fiable, sécurisé et rapide. Yo les amis, c'est LexCity, j'espère que vous allez bien les gars. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Kevin. Salut à toi, salut à tous. Donc comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, on va réaliser une draft à l'aveugle. Spécial Team of the Season, voilà. Vous connaissez le concept des drafts à l'aveugle. Vous êtes nombreux à m'en demander sur la chaîne, donc on continue à en faire. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur le jeu pour lancer la draft. Let's go. Ok les gars, on se retrouve. Voici les dispositifs qu'on nous propose. Et comme d'habitude, on va prendre le 4-3-2-1, voilà. Parce qu'il y a des AVG et des AVD, et voilà, il y a de bons tots qui font partie de ces postes-là. On le prend directement. Ok les gars, c'est parti, mon pote Kevin, c'est bandé les yeux, voilà, vous le voyez bien. Donc il va faire les 11 postes de l'équipe, et moi je ferai les remplaçants et les réservistes. Donc c'est parti, vas-y, donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 3. 3. Boateng. Allez, on enchaîne avec le défenseur central maintenant. Ouah, c'est pas terrible, mais vas-y, donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 1. Mertesacker, le plus lent du monde. Le défenseur droit maintenant. Ouah, ça va, il y a de bons défenseurs droits, même si c'est pas ouf. 2. 2. Klein, celui que je voulais le plus. Le gardien maintenant, allez, Neuer, non. Ouah, c'est quoi de ces gardiens argent, là? C'est la pire draft du monde pour l'instant. 5. Le deuxième milieu central, les amis. Ouais, il y a un joueur du Real, mais il est pas ouf. Bon, vas-y, donne un numéro entre 1 et 5. Le numéro 3. Le 3, ça va, il y avait un boost parmi les 5 joueurs. Et ça tombe sur celui-là, voilà, c'est cool. Ensuite, le dernier milieu central. Ouh là là, les gars, il y a un tots. Il y a un tots. Ok, les gars, là, j'espère vraiment qu'il va me donner le bon numéro, parce que putain de merde. C'est un tots. C'est un tots, mon gars. En plus, c'est le meilleur pour moi. Bon, c'est vrai qu'il y a Pogba Totti aussi, mais bon, vas-y, je t'en prie, il y a un numéro entre 1 et 5. Allez, c'est parti pour le 3, là. Les 3, les... Voilà, là, les gars, le 3. Le 3, N'Golo Kanté, mon gars. N'Golo Kanté, c'est le français. Il est en tot. Ouais, il est en tot. Oui. je ne comprends pas. Et voilà, les gars, spécial tot, ça passe bien. Voilà, là, les gars, deux légendes. Deux légendes. Si tu me donnes ce bon numéro. Vas-y. Le numéro 2. Une légende, mon gars. Vieri, c'est une légende. Oh c'est une légende italienne. Une légende italienne. L'attaque en gauche maintenant. Ouah, il y a du lourd. Franchement, il y a du lourd. Je dirais le 4. Le 4, c'est le plus pourri. Boteac. Un joueur de Lille. Et pour le dernier joueur qu'il va sélectionner. Oh putain de merde. Il y a du 90 de général, du 88. Le numéro 4. Ah, dommage, c'est Kandreva. C'est pas oufissime. Ok, les gars, c'est parti. C'est à mon tour de me bander les yeux. Donc, vas-y, Kevin va lancer les remplaçants et les réservistes. Donc, t'as commencé là. Yes. Bon, le numéro 3, allez. Y'a du lourd là. Ouais quand même. Pas de tots. Non. Bon allez, le numéro 2. Tombe sur Jallet. C'est Jallet. Le troisième, non plus. Y'a que deux cartes noires. Vas-y, le numéro 4. Numéro 4, on tombe sur Florenzi. Oh, j'aime bien ce joueur. Il avait mis un putain de long shot contre le Barça, je me rappelle. C'est parti, donc là, non, y'a toujours pas de tots. Numéro 5. Numéro 5? Ouais. Numéro 5, on part sur Pardo, qui joue en Espagne. Connais pas du tout. Non plus. Putain, toujours pas de tots. On va vraiment pas tomber sur les tots aujourd'hui. Bon le numéro 1, allez, je le prends jamais. Numéro 1, c'est Pjanic. 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 Ouais, Pjanic. Ah ouais, il est pas mal, ouais. 100 et toujours pas. On a des bons généraux, mais des bons généraux. Ouais, vas-y, le numéro 2. Numéro 2, Coutinho. Ah, j'aime bien. C'est parti, attention. Et non, toujours pas. Putain. On a pas mal de bons joueurs. Hein. Bon, vas-y, le numéro 4. Le numéro 4, on passe sur un joueur du PSG qui s'appelle Di Maria. Di Maria, voilà, c'est lourd quand même. C'est lourd. Oh putain, les gars, on a touché un tot. Faut que tu me le dégotes. Faut que tu me le dégotes, là, ça va nous en faire deux, putain. Allez, vas-y, donne-moi un nombre entre 1 et 5. Je te rappelle la consigne au cas où t'as oublié. Ouais, putain, allez, s'il te plaît. Allez, vas-y. Je t'en prie, allez. Bon, allez, depuis tout à l'heure, je le dis pas souvent, le numéro... Le numéro 4. Oui, c'est ça, mon gars. On l'a, on l'a. Putain, c'est truqué, non. C'est Sosa, les gars. Eh, mais c'est... Eh, on vous jure, c'est pas truqué, les mecs, c'est un truc de ouf. C'est vrai? Spécial Tots, c'est qui, c'est qui, c'est qui le Tots? On vous sert, c'est tout ça. Ah ouais, les mecs, voilà, c'est le gars que j'ai paqué. Putain, ça fait on plaisir. On vous sert, les gars, c'est parti, on continue. Allez, donnez-nous un autre Tots. Et non, que des cartes noires. Bon, allez, cette fois-ci, le numéro 3, allez. Numéro 3, on part sur un joueur d'Espagne
Mario Gaspard. Toujours pas de Tots, les amis, donc... Bah, le numéro 1, je le prends pas souvent, tiens. Demarcos. Allez, c'est parti, nous en reste 2, on espère toucher le Tots. Toujours pas. Toujours mais pas. On a des bons joueurs. On a un bon joueur. Numéro 5. Eh non, t'es pas tombé dessus. Dommage. Défenseur gauche de Paris, Kurzawa. Kurzawa, ouais, pas mal. Donc là, c'est parti pour le dernier. Un petit Tots. Eh non, toujours pas pour le dernier. Numéro 2. Et on passe sur Kallstrom. Ah, pas ouf. Ok, les gars, on se retrouve. On a essayé de faire la meilleure draft possible. On a fait exprès de mettre les deux Tots, voilà, même si le collectif n'est pas au rendez-vous. Voilà, on a 71 de collectif et 84 de notes globales. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires, comme d'habitude. Et t'as quelque chose à rajouter pour la fin? Bah écoutez, merci d'avoir regardé sa vidéo. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, voilà, peut-être une vidéo ensemble, pourquoi pas. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était Lexity et Kevin. Ciao, ciao.